Salut à toutes et salut à tous les amis, soyez les bienvenus à Port Maillot pour la suite de l'aventure Ni No Kuni. Nous sommes toujours, comme vous le voyez, à Port Maillot. Ça n'a pas changé, hein. Je me répète, mais c'est pas grave. Et le but du jeu est de demander un laissez-passer royal à la Soltoran d'Almameu pour pouvoir emprunter le bateau. Et si je ne m'abuse, pouvoir faire du bateau notre prochain moyen de transport. Le fait est que, pour l'instant, nous sommes à Walpé. Il va falloir rejoindre. Voilà, on a récupéré la cape et tout ce qu'il fallait. Il va falloir bouger un petit peu. Alors, attendez-vous à du combat aujourd'hui. J'ai décidé de faire un peu de level up. Bon, faire un peu de level up en même temps, bon. Je disais dans l'épisode précédent qu'on n'allait pas faire ça tout le temps. Mais du coup, j'en ai rien à faire. Voilà, poum, allez, tu vas te manger ça dans la tronche. Ah, lui, il se prend un dégât à chaque fois, donc c'est pas grave. Morsure glaciale, allez, mange-toi ça dans les dents. Voilà, comme ça, l'autre, il meurt, c'est bien. Allez, on va essayer de faire les combats, voilà. Oh! Ah, ça, c'est dommage. On a récupéré une boule, de toute façon elle ne pouvait être utilisée que pendant ce combat là. Yes! Bon, 57 florins, c'est maigre. Mais disons que tous les deux combats, on peut gagner un sandwich. C'est une maigre consolation. Ah, cette musique. Non mais sérieux quoi. Cette musique, mais je suis amoureux. Alors, un chauve qui peut et un chanapan. Oh, j'en ai rien à faire. Moi, je suis un foufou de la péloche. Attaque boule de feu. Oh, n'importe quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Tu vas le taper, oui? Bon. Une lame erratique, fais-toi plaisir. Comme ça, on tape les deux. Enfin, on tape les deux, mais ça sert pas à grand chose en fait. Tu vas le taper, le chanapan. Allez, 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 allez. Boum! Allez, pam! L'autre, mais sérieux quoi. Récupère les PM. Oh, zéro. Non, mais la boule qui donne 0 PM quoi, sérieux. Ah, niveau 19 pour Oliva. On a gagné une petite perlette du soleil. Alors ça, c'est pas mal. On pourrait essayer d'atteindre le niveau 20. Ça pourrait être cool. Alors, si jamais vous avez envie de sauter cette phase de level up, hein, finalement, je l'inclus dans la vidéo. N'hésitez pas. Utilisez le curseur YouTube. Alors, tu vas immédiatement te calmer, Oliver, et tu vas laisser ton monstre se battre pour toi. Mais ça va pas. Oh! Là, on peut lui faire sa fête. Voilà. On va lui faire une sérénade. Et voilà, apprivoiser la chauve qui peut. On repasse la main à Olibar. Mais non, mais qu'est-ce qu'il est idiot. C'est pas possible. Attaque. 1-1, super. Et que je me mange 25 points de dégâts dans la tronche. Voilà, mais sur ce, tout va bien. On va alors si on va apprivoiser également. De toute façon, plus on a capture, mieux c'est. Hein. Et ben voilà. Qui nous fait 73 points d'expérience. On a 3 créatures qui passent au niveau supérieur, ce qui est bien.
Minimi atteint le niveau 16, gagne 2 points d'attaque supplémentaires, ça c'est pas mal. Kiki passe au niveau 19, il gagne 3 points supplémentaires et peut passer à l'évolution. Et enfin, Plaise atteint le niveau 16. On va garder la chauve qui peut. Chauve qui. Chauve qui, ouais. Elle est mignonne, elle est toute ronde. Oh, on va l'appeler Chauve-qui. Oh, non, c'est pourri. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ça, c'est toujours... C'est pas évident, en fait, à chaque fois. On peut pas l'appeler Bouboule, parce que bon, c'est un peu naze. Autre suggestion, Chauve-quoi ? Chauvinou. Nestor, bien sûr. Chauve-qui. Oh, allez, Chauve-qui. Ce sera toujours mieux que Nestor ou Chauvinou. De toute façon, j'ai pas d'autre idée. Allez, tant pis. Chauve-qui, oui. Le Mérino. Dans le Havre familier. Mervin. Ah, ça, c'est pas mal, ça, Mervin. Pour un Mérino. Mervin. Ou non, vous savez quoi, j'ai mieux. On va lui donner un vrai prénom. Alors, sinon, c'est Flémy. Matla, bien sûr. Mérin. Moi, je serais d'avis pour qu'on l'appelle Marvin. C'est plus classe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Marvin, c'est pas mal. Voilà. Et on confirme. Ouais, Marvin est devenu votre familier. Voilà, Marvin, le Mérino. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une trempière. Là, nous avons un nouveau Mérino qui s'amuse. Et un chanapan. Allez, vas-y. Oula, c'est la fête à la grenouille, là. C'est pas possible. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Oula, rayon de lumière. Allez, le Minimi, il attaque le Mérino. Récupère un peu les points de magie. Allez. Massacrez-lui la tronche! ...71 points, hein, quand même. Et là, on a le baby-feu. Ah, on a du riz fondant. Alors, attendez, on s'intéresse quand même. Sac sans fond, riz fondant. Le riz fondant, l'accompagnement idéal pour les plats aux saveurs intenses. Ce sont des ingrédients pour fabriquer des potions alchimiques. Donc ça, c'est pas mal. Gage de bravoure, arpent gelé, essence de la flamme, objet important. Bon, ça, on ne va pas les vendre. Chocolat au lait. Peut-être devrions-nous utiliser un sandwich. Attendez, sandwich ou burger au poisson, sandwich. Voilà, on l'utilise sur Myrta, c'est quand même pas mal. La rosée du lutin, celle-là, on va la garder pour un combat de boss. Et... Alors, attendez... On va utiliser, par contre, les premiers soins. Je crois que c'est ça que j'aurais dû faire. Voilà. Voilà. Attaque surprise, ça c'est toujours très très bien pour nous. Un pourceau-lièvre et un chanapan. Oh, ils se sont retournés, les bougres. Voilà, que je t'inflige, hey, 80 dégâts. Ça, je trouve ça canon quand même. Ah, comment ça, pas encore possible, mais tu vas lui ramaraver sa tronche, oui. Voilà. Et on gagne 58 florins, on est à 403. Ah, Babyfeu apprend le talent Toupie Terrible. Ah, c'est toujours bon à savoir, la Toupie Terrible.
Alors, Almameu, c'est quand même par là, donc on va continuer de se diriger. Bon, lui, on va se le prendre, je pense. Ça va continuer. Ah, ça, c'est le grand truc des JRPG, hein, j'ai envie de dire. Vous savez quoi? Non, on va faire Myrta, tiens. Allez, c'est parti. On va utiliser Babyfeu. Alors, voyons voir Babyfeu. Tu vas nous faire quoi là? Oh, Babyfeu. Oh, Babyfeu, il fait pas grand-chose. Oh! Oh là là! Oh, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser lui. Oh! Bah, quelque chose me dit qu'on va devoir utiliser le sandwich plus tôt que prévu. Et on va fuir. Allez! Ah, on peut pas! Allez! Voilà. Ah ouais, non, là, ça craint, là. Ah là, on a voulu faire du leveling, mais malheureusement... Ouais, ça craint. On a quand même un point de vie. Donc là, je suis en train d'utiliser toute ma force. Donc, bah là, on n'a pas trop le choix. On va utiliser les premiers soins sur Oliver. Et voilà. On utilise un peu de PM, mais c'est toujours mieux que d'utiliser toute la bouffe. Voilà, on se retourne pour éviter d'être pris par surprise. Ah, et là, il y a de la chose, là. Sort, rayon de choc. Mais ça sert un peu... Ça sert à rien, en fait. Wow! Magique! Oh, mais Oliver est mort! On est tous les deux morts? Mais c'est ridicule! Mais c'est pourri! On a perdu 40 florins. On a perdu 10, ouais, 10%, bon, tant pis. Et on recommence tout depuis Port Maillot! Oh, bah c'est joli ça, dis donc! Bon, bah vous savez quoi? On va essayer d'éviter les combats autant que faire se peut. En espérant hein, qu'on le peut. Que là, je faisais exprès de foncer dans tous les... Ah mince! Et puis en plus, là, je me suis pas retourné à temps, donc voilà. Je sens qu'il va être très très marrant cet épisode. Allez, massacre-le avec ton épée! Non, pas l'étreinte maléfique! Allez, tu le tapes et tu me le marave! Voilà. L'avantage, c'est que l'expérience, on la garde quand même. Yes! Et voilà. Du coup, on va gagner. Bon, c'est bien, on a regagné les sous qu'on avait perdus. En un combat, c'est quand même pas mal. Non, le chenapan, non! Oh, heureusement que je me retourne, mais là, je ne peux pas les éviter. J'essaie de les éviter quand c'est possible, mais quand ça n'est pas possible, je ne cherche pas et je fonce.
Bam! Et regardez-moi ça, comme il lui plante son épée. Oh, joli. Oh, vous savez quoi? On va changer de tactique. Et on va tout donner. Comme ça, on va s'en débarrasser beaucoup plus vite des bestioles. Oh là là, il n'y a plus qu'une seule cible. Allez, mange. Et voilà. Alors, je me demande par contre si l'un de mes familiers ne peut pas évoluer. Voilà, évolution. Et je regarde, endurance, griffe grossière, ça c'est équipé. Ami et familier, Whiskiki. Normalement, il est prêt pour l'évolution, Whiskiki. Mais alors, dans ce cas-là... Qui contiendrait le pouvoir d'une planète. Déclenche une évolution chez un familier. De signe planète, signe lune... Signe soleil. Mais ça, je ne sais... Attendez. Les familiers... Donc lui, voilà, il est de signe bleu. Donc si je ne m'abuse... Voilà, c'est celui-là. Perle d'étoile. Donc je vais pouvoir faire évoluer... Ah, je peux pas l'utiliser ? Non, je peux pas changer la place, ça, j'en ai rien à faire. Alors attendez, il faut que je me souvienne de la façon dont on doit s'y prendre pour faire évoluer un familier. Évolution, talent... Attendez. Ça sent pas bon, tout ça. Stèle du savoir. Bestiaire, leçon de choses. Le malak du magicien. Apprivoiser... L'évolution, voilà. T'exposer les miracles de l'évolution. Lorsque tes familles ont atteint un certain degré de maturité, ils sont prêts à évoluer. Pour amorcer le processus, tu devras leur donner une friandise spéciale dans la ménagerie. Et cette friandise spéciale diffère selon le signe du familier. Lorsqu'un familier évolue, son apparence et ses caractéristiques changeront. De plus, il parviendra peut-être à développer de nouveaux talents. Ses goûts peuvent aussi évoluer, lui permettant de consommer davantage de gemmes. Tu l'auras deviné, cela signifie qu'il pourra développer d'autres talents. Avant que tu ne tombes en pâmoison devant les merveilles de l'évolution, il serait irréfléchi de ma part de ne pas te dire que ton familier retournera au niveau 1. Une fois qu'un familier est capable d'évoluer, tu peux amorcer la transformation quand tu le désires. Le choix de le faire ou non t'appartient entièrement. Je pourrais discourir jusqu'à la tombée de la nuit, mais je vais en rester là pour l'instant. Après tout, la réflexion solitaire joue un rôle important dans l'apprentissage. Alors, je suis d'accord. Mais en fait, je ne peux pas l'utiliser. J'appuie sur la touche d'utilisation, mais je ne peux pas encore. Donc quelque chose me dit que pour l'instant... Bon, ça craint du boudin. Donc tant pis. Je vais utiliser mes premiers soins quand même sur Myrta, parce que la pauvre, elle a quand même assez souffert. Alors, on va essayer d'évoluer l'autre, là. Ah, mince. Ah, mais non! Bon bah là, j'ai essayé de l'éviter, mais ça n'a pas marché. Itawayo, ta machin. Oula, ah ça pue, dis donc. Ah bah d'accord, non, c'est l'autre qui a... D'accord, ok, pourquoi pas. C'est un délire. Premier soin. Allez, mange. Ah, il est réduit au silence. Tant que tu peux te battre, c'est pas grave si tu ne dis rien.
Eh bah c'est beau. 76 points d'expérience, 54 florins supplémentaires. On monte petit à petit, c'est pas mal. Allez, on quitte cette verte zone pour nous rediriger vers les délices sablonneux d'Almameux, dont nous pouvons voir l'entrée juste ici. Allez, nous revoici à Almameux, c'est parti, on y va. On y vend. On y vend, j'ai envie de dire. On y vend. On y vend quoi? Je sais pas, mais on y vend. Cette vanne vous a été réservée pour le spectacle de fin d'année. Où on doit aller exactement? T'es sourd ou quoi, mon pote? Là où se trouve la Soltoran? Au palais, vieux! Au palais! Il se trouve de l'autre côté de la grande place, Oliver. Je vais te montrer le chemin. Qu'est-ce qui va pas, Myrta? Rien. Pendant un moment, j'ai eu la drôle d'impression que quelqu'un nous suivait. Je suis sûr que c'était rien. Désolé. Continuons, d'accord? Entendu. Par la barbe des puissants, la noblesse des traits, la majestueuse courbe au nez, votre nez, c'est le même. En tout point, le même que le sien. Je vous demande pardon? S'il vous plaît, laissez-moi l'étudier. Comment? Mais qui êtes-vous? Ah, pardonnez-moi, je ne suis qu'un humble artiste. Je peins actuellement le portrait d'une personne avec laquelle vous avez une ressemblance frappante. Je ressemble à la personne de votre portrait? En effet. Mais hélas, je ne puis la rencontrer en personne. Me permettriez-vous de vous étudier encore un petit peu? Eh ben, s'il le faut, allez-y. Oui, ah, donc c'est plus comme ceci. La ligne du menton est cruciale, mais oui, évidemment. Merci, j'ai une dette envers vous. Je sais maintenant ce que je dois faire pour terminer mon chef-d'œuvre. Vous avez ma reconnaissance éternelle. Je vous en prie, c'était rien. Je dois immédiatement retourner à mon atelier. Au revoir. Wow, je me demande qui est cette personne qui me ressemble. Qui que ce soit, cet artiste a l'air de la trouver plutôt belle. Sapristi, ils sont passionnés ces artistes, hein? Et un peu bizarre, nom d'une lanterne. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien, juste que c'était un drôle de numéro. T'as pas trouvé? Ça venait de moi, alors. Génial. Et si je fermais mon clapet, moi, hein? Bien. On ferait bien de se secouer la lanterne, non? Allez, ah, allons-y. Entendu. Ouais, moi, j'aime bien lire les trucs à l'envers. On va faire des économies. Côté sous-sous, ouais, on va faire des économies. On va se diriger vers le palais de la Soltoran. Oh! Nous avons des gens qui auraient peut-être besoin de notre aide. Oh, c'est une véritable tragédie. Comment mon pauvre mari parviendra-t-il à survivre? Quelque chose ne va pas, ma chère? Mon amour, mon seul et unique époux bien-aimé est allé au bois bolet cueillir des délicieux champignons, mais il a oublié d'emporter son repas. Aïe, aïe, c'est pas désastreux, ça? Ouais, c'est vraiment malheureux, hein. Il doit avoir rudement faim alors qu'il est. Très certainement. Oh, par les anciens et les bêtes sauvages de la forêt m'empêchent de le lui apporter moi-même, mais qu'est-ce que je vais faire? Le bois bolet, vous dites? C'est la forêt par laquelle on est arrivé, celle où il y a des champignons géants. C'est bien ça, mon petit Oli, la forêt fertile où foisonne une faune et flore fantastique. C'est l'endroit idéal pour dénicher un petit truc à grignoter. Ah, ainsi vous êtes familier avec le bois bolet? Je vais donc vous confier une mission de la plus haute importance. Pardonnez-moi de vous causer un tel embarras, mais il s'agit d'une urgence. Je vous en prie, vous devez apporter ce panier au bras à mon cher et bien-aimé mari. Oui, c'est accepté. Hein. Vous voulez qu'on lui apporte au bois bolet? Bien sûr, on s'en charge. Vous m'offrez votre aide? Mes chers petits héros, tenez, voici le repas de mon bien-aimé mari, préparé avec tout le dévouement de sa fidèle épouse. Si l'envie vous prend d'y goûter, je vous prie de vous contenir, même si son délicieux parfum titille vos narines. Ce repas est réservé aux amoureux. D'accord, et l'autre il a une tête d'ananas. Regardez sur la droite, on a l'impression que... on a l'impression qu'il a une coupe d'ananas, alors que c'est juste une pente verte derrière. Alors, il y a quelqu'un qui aurait besoin de notre aide également. Par les anciens, quel charmant petit garçon, quel honneur. N'hésite pas à me dire si l'un de nos articles te tente. What? Oh, ça va pas du tout, c'est mauvais pour les affaires, très mauvais. Qu'est-ce qui va pas, madame?
le désert fourmi de ces satanés Kranos. Ils s'en prennent aux marchands qui livrent nos produits frais. Je crains que notre circuit d'approvisionnement ne soit bientôt entièrement interrompu. Si seulement quelqu'un pouvait nous débarrasser de ces scélérats squelettiques. Ah, ils ont l'air d'être dans un sacré pétrin, mon garçon. On leur offre un petit coup de pouce? Bah pourquoi pas, hein. De toute façon, tant qu'on accepte des trucs, après, on a tout le temps qu'il faut pour résoudre les quêtes. Hein. Je vais vous aider, madame, je veux vaincre ces Kranos pour vous. Allons, mon enfant, nul ennui ne justifie d'avoir un si jeune garçon à sa perte. Mais non, vous ne comprenez pas, il n'est pas seul. Lumi, grand monarque seigneurial du peuple fée, est à ses côtés. Il attend en parfaite sécurité. Et qu'est-ce que tu comptes faire, petit bonhomme? Ronger leur tibia jusqu'à ce qu'ils s'enfuient en sautillant? Quel culot! J'en crois pas ma lanterne! Bien évidemment que je vais leur ronger les tibias! Notre fierté est en jeu, mon petit Oli, il faut qu'on saccage ces satanés squelettes comme des chefs. Entendu, on y va, monsieur Lumi. Ah, très bien, il vous faut vous vaincre 10 Kranos. Ça suffira pour ouvrir un chemin pour que nos fournisseurs puissent nous rejoindre. 10 Kranos, c'est un délire, pourquoi pas? Alors on va partir à la recherche d'une nouvelle quête. Semblerait que cette personne-là ait quelque chose à nous dire également. Non, tu peux pas le ravoir, je n'ai pas encore fini de le lire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier, tu m'as dit que tu me le rendrais. Eh, vous deux, arrêtez de vous chamailler, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que ce voleur refuse de me rendre le livre d'images que je lui ai prêté. C'est qu'un livre d'images? En plus, elles sont même pas belles, qui s'en soucie? Moi, je m'en soucie. On me l'a offert pour mon anniversaire, tu dois me le rendre. Eh, arrête de m'embêter, va-t'en. Mazette, soit on lui a brisé le cœur et dérobé toute sa bonté qu'il avait dedans, soit ce petit a besoin d'une bonne fessée, fissa. Tu crois qu'il a le cœur brisé? Mais il a l'air si plein d'entrain. Ouais, bah tout dépend du fragment de cœur qu'on lui a volé, tu vois, la personnalité peut être affectée de toutes sortes de façons, pour sûr. Mais le plus important, c'est de décider de ce qu'on va faire, tu trouves pas? Est-ce qu'on va aider ce petit à récupérer son livre? Bah oui. Bien sûr que oui, ça me rendrait rudement triste s'il n'était plus ami. Impec. Alors il ne nous reste plus qu'à trouver une ou deux gouttes de bonté de qualité supérieure, hein. Est-ce que j'en ai aussi de la bonté? C'est ça la question. Tu as de la bonté en réserve, non? Lance Pasqueur et donne-la lui. Alors, est-ce que j'ai de la bonté? Oui, j'en ai de la bonté. Juste ici. Hmm? Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais te rendre ton livre d'images et puis... C'est vrai, tu voulais me le rendre? Mais bien sûr, je vais aller le chercher tout de suite, excuse-moi, j'ai été égoïste. Merci infiniment de m'avoir aidé à redevenir moi-même. Je vous en prie, prenez ceci. Deux cafés serrés qui redonnent des PM, yes, et sans florin. Canon. Tâche terminée. Deux tampons supplémentaires. Et voilà, on a reçu deux tampons supplémentaires, il ne nous en reste plus que 4 afin de pouvoir compléter notre carte du mérite. Cool. Ça, ça fait plaisir. Là, on a un sundae acidulé. Pourquoi pas. Ah. Voici le palais de la Soltoran. Impec, voici le palais. Entrons, vous voulez bien? Halte, vous ne pouvez pas passer. Vous croyez pouvoir entrer comme ça sans être annoncé dans le palais de notre révéré Soltoran? Quel est le problème ici? Maître Vachir. Ces mécréants tentaient de s'introduire dans le palais sans autorisation. Est-ce donc vrai? Une seconde, tu es la fille du marchand de Baban, n'est-ce pas? Je suis Vachir, vizir de notre estimé Soltoran. Les efforts de ton père pour nous fournir en Baban, sa magnificence, sont comme toujours hautement appréciés. J'avais entendu dire que tu ne te sentais pas très bien. On dirait que tu es guéri. Oui, je vais beaucoup mieux maintenant, merci. Ce sont là d'excellentes nouvelles. Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce qui t'amène au palais? Eh ben, voyez-vous, monsieur, il nous faut un bateau, et on ne peut pas en avoir un sans un laissez-passer royal de la Soltoran. Toi et tes amis souhaitaient traverser les mers. Je compatis, et j'aimerais sincèrement vous organiser une audience. Cependant, quelque chose ne va pas?
Je crains que la Soltoran ne soit indisposée. Nonobstant son vif désir de le faire, elle n'est pas en mesure d'écouter les requêtes de ses sujets. Oh, c'est vraiment dommage. Mes excuses, mais elle a demandé à n'être dérangée sous aucun prétexte durant sa collation de l'après-midi. Il ne nous reste qu'alors qu'à attendre qu'elle ait fini. Certes, mais sa collation de l'après-midi est immédiatement suivie par son second déjeuner. Et après ça, vient alors l'heure de son goûter tardif. Il y a des moments où elle ne mange pas. Hélas, la faim extraordinaire de sa meujeusté l'oblige à dîner même pendant ses heures de sommeil. C'est pour cette raison que je me vois contraint à passer chacune de mes heures d'éveil à lui procurer sa nourriture favorite. Ah, faut que j'y aille. Sa nourriture favorite? Je me demande ce que ça peut être. Pardonnez-moi, je dois prendre les dispositions nécessaires avant que les provisions des marchands ne soient épuisées. Je suis terriblement désolé de ne pouvoir vous accorder une audience. Malédiction, je dois me hâter. Si je ne parviens pas à préparer le prochain repas de sa meujeusté à temps, ça lui déplaira grandement. Maître Vachir a parlé, quittez ce lieu. On dirait que nous n'avons guère le choix, Oliver. Viens, on repassera plus tard. Alors la Soltoran a un plat préféré vraiment spécial. Et je parie que si on découvrait que ce que c'est et qu'on lui apportait en cadeau, on serait autorisé à la voir. C'est une idée géniale, Myrta. Mais on ne sait pas quelle est sa nourriture favorite. Eh, dis mon petit Oli, tu sais comment on peut le découvrir, non? Allons, gros balourd, on se rend dans ton monde et on trouve son âme sœur, tu te rappelles? Mais oui! Si on trouve son âme sœur, on pourra savoir quelle est sa nourriture préférée et le donner à la Soltoran. Mais comment on trouvera l'âme sœur de la Soltoran? Je ne l'ai jamais vue. On doit donc découvrir à quoi ressemble la Soltoran, mais on ne peut pas la rencontrer. Si on ne peut pas la voir, comment savoir à quoi elle ressemble? Je l'ai vue une fois lors d'un défilé quand j'étais petit, mais c'était il y a si longtemps que je m'en souviens pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Flûte. On ne sait pas quelle est la nourriture préférée de la Soltoran et on ignore à quoi elle ressemble. Je dois admettre que je suis totalement à court d'idées, moi aussi. Bah, toutes ces réflexions me donnent mal à la tête. Vous savez quoi, on devrait retourner au potron miné et dormir un peu. Eh ben, je suis un peu fatigué, c'est vrai. Le potron miné est situé près de l'entrée de la ville. Entendu. Allons nous reposer un moment. Bien, allons pour le tronc minet. Les deux personnes qui sont là, on a déjà accepté leur quête. On va se déplacer par ici. Ah, voilà, là il y a une personne ici. Ça sert à rien, j'ai plus envie de rien, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne touchais plus terre quand on a quitté Karaba. Tout va bien? Voyez-vous, nous sommes des marchands itinérants, mais depuis notre arrivée à Almameu, mon mari a perdu toute envie de vendre nos articles. Nous nous sommes donné tant de mal pour quitter Carabas et parcourir le monde afin de gagner assez d'argent pour ouvrir la boutique de nos rêves. Qui s'en soucie de cette boutique ridicule? Vendre des objets demande tant d'efforts. Ne nous fatiguons plus avec ça. Oula, ça sent mauvais, hein? J'ai bien l'impression que notre ami n'est pas dans son assiette. Pff, je vois bien que tu ne nous serviras à rien. Alors je vais devoir travailler pour deux, c'est ça? C'est une solution. Ou alors, on peut réparer son cœur brisé avec une bonne grosse portion d'enthousiasme qui devrait faire l'affaire. Tu crois? Bah oui. Attendez. On a de l'enthousiasme dans la besace et ça peut nous rapporter deux tampons. Il faut qu'on l'aide à guérir. On peut pas abandonner les gens qui ont besoin de notre aide. Tu l'as dit, Bouffy. Allez, remuons-nous et allons chercher cet enthousiasme. Ça te dit? Attendez. Bien sûr. Tu as l'enthousiasme en réserve, non? Lance Pasqueur et donne-le-lui. Alors, il me semble qu'on en a de l'enthousiasme. Hein. Ouais, on en a. C'est la classe. Où suis-je? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui, ça y est! Il faut qu'on amasse assez d'argent pour ouvrir la boutique de nos rêves. Allons, au travail! Mon amour, tu as repris tes esprits, je suis si soulagé. Pardonne-moi, ma chérie, tu étais inquiète pour moi. Je suis si désolé. Je vais mieux maintenant. Mettons-nous au travail, tu veux? Génial, il est guéri. Je vous remercie infiniment de m'avoir aidé. Vous méritez un cadeau très très spécial. 3 fruits de vue et 100 florins supplémentaires. La classe ou pas? Eh
Et voilà, deux tampons supplémentaires, il ne nous en reste plus que deux à obtenir pour valider la carte du mérite. Ça, j'aime. Alors, on va continuer. On va aller dormir un petit peu. Alors, attendez, parce qu'ici, on a quand même l'armurerie. Ça pourrait être intéressant de regarder ce que le monsieur Corbeau a pour nous. Alors, on peut vendre également certains objets. Mais par exemple, la perlette de soleil qu'on a eue. Évoluer vers une deuxième forme. Ah! Perle d'étoile, perle de soleil. Je comprends. Moi, c'est la perlette d'étoile qu'il faut que j'aie. Juste une perlette. Et oui, quel idiot. Depuis tout à l'heure, je me demande, mais comment ça se fait que je peux pas utiliser les bonbons et tout? Mais c'est tout simplement parce que là, permet à un familier de signe planète d'évoluer vers une deuxième forme. C'est ces perlettes qui permettent d'évoluer vers la forme secondaire. Mais les perles, elles permettent d'évoluer vers l'ultime forme. C'est ça, je m'en rendais pas compte encore. Mais en fait, voilà, c'est comme ça. Ouais. Perlette de lune. J'en ai 4. La perlette de soleil, j'en ai gagné une. Avant, j'en avais pas, j'en avais qu'une seule. Ça, vaut mieux les garder, mais ça fait quand même 250 florins supplémentaires. Là, j'en ai 4. Je peux en vendre une. Voilà, histoire de me dire que j'ai presque 1000 florins en besace. Voilà. Ça vaut le coup. Maintenant, on va voir ce qu'on peut acheter. Hache du bûcheron, elle permet de récupérer 19 points d'attaque, mais elle nous fait perdre 5 points de précision. Le problème, c'est qu'on ne peut l'équiper sur personne. On est à 59, on montera à 68 avec ça. Pourquoi pas? De 35, on reste à 35, mais on monte à 72 en attaque avec ça, l'épée d'eau. Et les griffes rossières, elles sont déjà équipées sur le deuxième familier. En termes de protection, armure coriace. On perd en précision, mais on gagne 9 points d'attaque. Vêtements de marchand, on gagne 4 points de défense. Bouclier léger peut bloquer les attaques ennemies. Celui-là, il a l'air pas mal. On peut l'équiper. On a vendu une perlette pour gagner un bouclier de cuir. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, écusson de bravoure. Surcroît de l'assurance dont les magiciens ont tant besoin pour lancer leur sort. Allez, ce sera suffisant. Allez. On se dirige vers l'auberge pour pouvoir passer la nuit. Bienvenue au palais des papouilles. ついにお披露目ね。私の憧れの女王様。
私に似てるって女王様のことだったんだ。こらまた偉い方に似てるって言われたのやの。ではご覧ください、女王様の肖像画です。これは。Oh, elle est divine, vraiment divine. Sa beauté sans égale est à couper le souffle. Vous en êtes satisfaite ? Satisfaite ? Il vaut 3 fois le prix que je vous ai promis. Par la barbe du puissant, vraiment ? Mais nous nous sommes mis d'accord, n'est-ce pas ? Peut-être la prochaine fois. Je comprends. Ah oui, tu t'es fait avoir, mon gars. Excusez-moi. Oui ? J'en ressemble pas du tout ! Hein ? Vous avez dit que je lui ressemblais. Vous méprenez, jeune demoiselle. Ce n'est pas un portrait de vous, tout au plus. Monsieur Lumi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Ça commence tout juste à devenir intéressant. On doit tout de suite aller à Motorville. Je viens de réaliser qui nous devrions aller voir. Ah oui, vraiment? Absolument. Madame Eugénie, c'est l'âme sœur de la Soltorane, j'en suis certain. Mais évidemment, t'es sacrément malin. T'es sacrément malin, mon petit Oli. Merci, monsieur Lumi. Quand j'ai vu ce portrait, je l'ai su tout de suite. Génial, allons-y alors. Je suis plus fatigué du tout d'un seul coup. Moi non plus. Hé, hey, Myrta, viens, on doit y aller. Hein? Je ressemble absolument pas. J'ai l'air aussi grosse que ça, d'après toi? Je suis pas grosse! T'es encore en colère, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas du tout en colère! C'est ça, et moi je mesure 2 mètres. On fera mieux de la laisser tranquille. Oh, je crois que t'as raison. Bon, bah, quelque chose me dit qu'on doit utiliser... Alors, hop, la magie. Portail. C'est parti. Allez, c'est parti. Maintenant que nous sommes à Motorville... Oh là là. Va falloir retrouver Madame Eugénie. Hein? La porte est fermée. La boutique n'est pas encore ouverte, apparemment. Je suis sûr que si on attend ici, elle ne tardera pas à arriver. C'est l'heure de l'ouverture. Quelqu'un vient. Oh, bonjour Olivia. Martha, salut. Comment tu vas? Tu te sens mieux? Oh oui, et tout ça grâce à toi, Olivia. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as besoin de quelque chose dans la boutique? Attends une seconde, je vais te l'ouvrir. Qui est cette fille? J'ai l'impression que tu la connais déjà, c'est ça? Oui, et on dirait moi. C'est un peu comme si je retrouvais une jumelle perdue de vue depuis longtemps. Elle me ressemble beaucoup plus que cette vache de Soltorane. Hmm? Elle me voit pas ou quoi? Si c'est pas de la perspicacité, ça. Elle ne te voit pas, pas plus que moi d'ailleurs. Vraiment? Alors je suis invisible? Quelle drôle d'impression. Bien sûr que tu es invisible. Tu viens d'un autre monde, non? Comment? Tu as dit quelque chose, Oliver? Non, j'ai rien dit. Mais d'ailleurs, comment se fait-il que tu viennes à la boutique de Madame Eugénie, Martha? Je travaille ici maintenant. Madame Eugénie et ma maman sont amies. Donc quand elle a su que j'allais mieux, elle a dit que je devrais venir travailler pour elle. Mince alors, c'est vraiment gentil de sa part. Dis Martha, Madame Eugénie est par là? Bien sûr, elle fait de l'exercice pour l'instant, mais je suis sûr qu'elle sera bientôt de retour. Que Madame Eugénie? De l'exercice? Exact, elle a commencé la course à pied. Elle fait un régime? Mais non, bêta, elle fait de l'exercice pour pouvoir manger encore plus. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Oh, Martha, je suis de retour. Tiens, mais c'est le jeune Oliver que voici. Bonjour, mon trésor. Bonjour, Madame Eugénie. Martha, j'en peux plus d'attendre. Tu veux bien... Oui, Madame Eugénie, je vais aller vous chercher ça tout de suite. Oh non, je vais pas pouvoir attendre aussi longtemps. J'en ai dans ma boutique, mon cœur. Toi, reste à l'extérieur et nettoie un peu, par exemple. Ça alors, j'avais jamais vu personne aussi obnubilé par sa nourriture préférée. Comment? Elle vient de dire nourriture préférée, non?
Hé, hey, Oli, je parie que c'est la même chose que pour la Soltoran. T'as raison. Allons voir ce que c'est. À bientôt, Martha. Madame Eugénie, qu'est-ce qu'elle mange? C'est du fromage. Beaucoup de fromage. Ça fait un choc, hein. Comme tu dis, je n'imaginais pas qu'elle était aussi obnubilée. Mieux vaut pas s'approcher quand elle mange du fromage. Ah, je sais maintenant. Martha! Martha! Ah, on dirait qu'elle a besoin de moi. Je ferais mieux de rentrer. À plus tard! Mince alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La boutique de Madame Eugénie est la seule en ville à vendre du fromage. Oliver, qu'est-ce qui va pas? Oh, salut Lena. Il nous faudrait du fromage. Fromage. Exact. C'est la nourriture préférée de la Soltoran. À qui il parle? Ça doit encore être son ami imaginaire. Nom d'une fée, c'est reparti. Quoi? On peut le fabriquer? Fabriquer notre propre fromage? Oui, grâce à la magie. Plein, plein de fromage. Mais c'est impossible. Je sais même pas comment on fait du fromage. Bien sûr que si. Essaie, seulement. Essaie seulement? Tu crois vraiment que c'est si facile? Mais oui! Mais est-ce que j'ai seulement un sort à utiliser pour ça? Eh, attends! Elle est partie. T'es bien amusé à parler à ton ami imaginaire, hein, Oli? C'était mieux que de parler à tes vrais amis? Quoi? Une amie imaginaire? Tu veux dire Lena? Lena? Qui est-ce? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle était juste là? Je n'ai vu personne. Peut-être que tu es le seul à pouvoir la voir, Oliver. Vraiment? Mais comment ça se fait? Peut-être que c'est comme pour Martha qui ne peut pas me voir, alors que moi je la vois. Tu sais que tu pourrais bien avoir raison. Moi non plus, j'ai jamais vu cette Lena. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que Lena t'a dit, Oliver? Ah oui, elle m'a dit d'utiliser la magie pour faire du fromage. Comment ça? Grâce à la magie? Elle est peut-être trop timide pour se montrer à nous, mais elle a pas peur de donner des conseils. Tu veux dire que ça ne marchera pas? Si, ma petite, ça marchera. Tout l'intérêt de la magie est de rendre l'impossible possible, non? Mais j'imagine que c'est difficile sans les bons ingrédients, non? Mais on les a! Ah bon? Bien sûr, à Almameux, les fontaines de lait! Alors on utilise la magie pour transformer le lait des fontaines en fromage? Ça, c'est possible, tip top! Génial, mon petit Oli, retournons dans notre monde, tu veux? Ouais, allons directement aux fontaines de lait et faisons un essai. Elle se trouve sur la place principale d'Almameux. Yes! Allez, c'est parti! On va utiliser le portail pour retourner dans le Ni no Kuni. C'est parti. Alors on utilise la magie en pleine rue pour se téléporter, tout va bien, hein. Tout est logique. Bien. Nous revoici à Almameux. On va pouvoir se rendre auprès des fontaines de lait, hein, tout est indiqué par l'étoile sur la carte, je vous le rappelle. C'est très très facile d'accès, très ergonomique, c'est parfait, hein, vraiment. Alors, là voici la fontaine de lait. Pas d'interaction. Alors quelque chose me dit que je vais devoir interagir moi-même avec ce lait. Alors voyons voir, qu'est-ce que l'on a? Appel de famille, les croissances rapides. Gastrono-magique. Fait apparaître un plat au goût véritablement magique. Rien ne se passe, donc c'est pas ça.
tous les sorts. Sorts pratiques. Crochetage. Cure de jouvence, ça n'a rien à voir. Gastronomagique. Ah. Ah bah voilà. Là, il y a une interaction. Alors, voici les fontaines de lait. Mince alors, c'est du lait pour de vrai? Bien sûr. Le lait le plus frais et le plus crémeux qui soit. Il y en a tellement que tu peux faire autant d'essais que tu veux, jusqu'à ce que ça marche. Plusieurs essais? Tu crois que j'y arriverai pas, c'est ça? Je ne sous-entendais rien. Allez, tu dois faire apparaître du fromage, concentre-toi. Bon, tu sais comment on fait du fromage? Bien sûr, on chauffe du lait, puis on ajoute du citron et du sel, on écrème la partie solide du dessus, et ça devient du fromage. Sapristi, t'es un vrai fromager! Ça devrait être très facile pour toi. Tout ce qu'il te faut, c'est le sort adapté, non? En effet, laisse-moi jeter un coup d'œil. Bon, on l'a trouvé, hein, c'est gastronomagique, le sort. C'est parti! Vise-moi un peu ça. Nom d'une lanterne, ça marche! Oui, vraiment. T'es très doué pour la magie, Oliver. Je parais que tu pourrais même faire des bonbons si tu le décidais. Et des gâteaux. Oh, je mangerais bien une part de... Eh, ça suffit, j'essaie de me concentrer. Wow. Vous avez obtenu un morceau de fromage géant. Vise un peu la taille de ce truc, mon pote. Et t'as même fait des bonbons et tout. C'est la faute de Myrta. Je parie que tu en voulais aussi, hein. Tu ne devrais pas distraire quelqu'un qui essaie de lancer un sort. Oh, sois pas comme ça. Maintenant, on peut aller voir la Soltorane, notre cadeau est un peu encombrant, mais je crois que ça n'aura pas d'importance. Plus c'est gros, mieux c'est, je dirais. Allons lui faire plaisir avec ce fromage. Bon, on a tout nettoyé, c'est bon. On a le fromage avec nous. On va pouvoir se rendre au palais de la Soltorane. Mais c'est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et je vous retrouve très, très, très vite pour l'épisode 16 de Ni no Kuni. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Game & Wolf. Salut tout le monde.